Et bonjour, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler coton à démaquiller. Donc, je vais vous présenter ce que j'utilise tous les jours depuis très longtemps. Je fais qu'acheter et racheter. Pour moi, c'est voilà, des cotons qui vont très bien, qui démaquillent tout autant le maquillage waterproof que voilà. Moi, je mets que de la poudre de teint et non du fond de teint liquide. Donc ça part très vite, c'est très rapide pour moi le démaquillage, tout va bien, en plus j'ai un bon produit comme j'ai pu vous présenter dans une autre vidéo. Le Bioderma Créaline H2O pour me démaquiller, donc pas de souci, rien qu'avec deux cotons, ça me suffit largement. Donc en fait, les cotons que j'utilise tous les jours sont les Inel, c'est les cotons duo, c'est de la marque Repair, donc Leclerc, et il y en a 110 à chaque fois, il y a marqué ultra douceur et 100% coton. Donc il y a un coton qui est plus doux, l'autre un genre de quadrillage, autant d'un côté que de l'autre, le maquillage accroche bien. L'essentiel c'est que si on même imbibé, enfin... Il absorbe bien le produit et vraiment il n'y a pas de souci particulier. Moi je fais qu'acheter cela. Après il y en a d'autres, hein, il y a d'autres marques. L'autre fois, une fois j'en avais quand j'allais à Carrefour à l'époque, j'en avais acheté deux chez Carrefour. Voilà, ils étaient pas trop mal. C'était pas ce que je préférais le plus. Par contre ceux-là, si, ils sont bien parce que le fait qu'il y ait ces deux côtés, un petit doux et un côté un peu plus quadrillé, mais pas, il est pas rêche, mais il accroche plus, donc c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est un très bon coton, malgré que ça soit pas une grosse marque. Le coton est parfait pour ce que j'utilise. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!